assemblée commissaire Muscadin qui a l'autre donné dans mail. Bon, dis donc parole. Est-ce que nous constatons que m'a parlé sur dossier hier, moi dit ça me comprendre, ça me penser mais avec toute réserve que ça mandé. On n'est pas cavelé pour me parler, j'en parler dans pas dans même l'école. Nous pas formés même gens. Nous pas fait même travail non plus. C'est-à-dire, nous chaque bon façon de comprendre bagaille. Et ensuite, ou pas qu'à vle pour moi-même, son journaliste qu'à l'école. Pendant pas la vola, si une caméra me demande d'ab juste montrer diplôme moi dans tête moi là. Depuis, et qui l'aime bien ça, depuis qui l'est? Depuis juillet 2010. Ça veut dire, je ne suis pas un blogueur, je ne suis pas comme si on influenceur, un lanceur d'alerte, ou bien on quelqu'un tout simplement qui juste gon micro qui a parlé. Donc, comme nous sommes société qui remonte de bagaille, malheureusement, il y a des gens qui ont rentré là-dedans, yo, etc., pour me faire comprendre, moi dans l'autre dimension, je suis là. Et heureusement pour moi, discours n'a atterri, il arrive quand elle doit arriver. C'est-à-dire, ou pas qu'à d'accord, ou bien pas qu'à admettre, façon tel moun traite ton sujet, c'est façon ça, moins pral traite elle. Parce que, ça crivé là, m'parle à plusieurs moun pendant journée. Ok? M'parle à plusieurs moun pendant journée. Et parmi moun m'parle yo, m'parle à un qui dit, parce que là, c'est des CPJ pour aller mener enquête pour le connaître ça va aller et me dit ça hier qui lui dit d'ailleurs son monde Jacques Mel effectivement je vois Jacques Mel qu'on y a on t'a souhaité des CPJ cuisiner famille pour demander qui ça vraiment monsieur t'a pral fait Jacques Mel parce que selon monde qui parle avec moi selon ça le dit lui c'est famille au monde qui kidnappé. Et c'est à monsieur qui a fait contact parce que monsieur s'est levé avec Oléogan. Yo connaît monsieur gagné entré sorti sous Grand Ravine parce que d'après ça monsieur dit bon par honnête il dit un il fut un temps monsieur était même habité zone Grand Ravine. OK donc il gagné entré sorti Grand Ravine. Donc il a fait contact avec monsieur pour monsieur t'aider aidé yo. Et c'est monsieur t'a fait pont avec mon yo. Et gon premier tranche comme concert en 25 000 $ bail comme ça qui a été déjà voyé par monsieur dans démarche qu'il t'a fait. C'est là où vient constater à partir d'une série de voix qui a circulé, yo rendu compte que t'assemblé moun nan mouri et monsieur qu'on y a besoin font l'argent avec elle t'a mandé 150 000 $. Donc c'est l'argent ça d'après le chercher. Et selon ça, moun que me parler a dit t'assemblé que le qu'on y a vient estimer c'est sous coup monsieur, yo prend monsieur dans attrape. Et toute leur mission a communiqué hier, on fait contact à commissaire Muscadet. Commissaire te souligne. Ça dit tout le monsieur a fait contact à parler à mon commissaire souligne. Attendez toute conversation et ça te fait arriver ce monsieur avec facilité. Et ça te fait me dire, nous, puisque je pas contre dossier, je ne peux pas courir dit tout bagaille sur lui. Parce que faut faire réserve comme journaliste professionnel. La vine sous ça, parce que bah yon ti crasse mélangé la beno. Très mélangé. Parce que c'est pas parce que moun habite dans une zone ou obligé contre toute activité. Ça qu'arrive, même madame n'y pas au courant de l'activité, le vrai. Ça qu'arrive. Ça me paronne, mais ça dit si moun yon contacte le parce que yon dit yon te levé ensemble, yon. Et d'ailleurs, yon dit c'est pendant monsieur tombe là ou kon non adler là. Yon connaît monsieur le Pierre Baptiste, yon pas jam kon non adler là du tout. Et yon dit tout moun le yon connaît monsieur le Ti Pierre Baptiste. Qu'on y a des CPJ pour aller mener enquête pour connaître justement comment petit monsieur aussi est. Et puis chercher entourage monsieur parce que il y a l'autre frère qui est Léogan pour chercher données sur yo. Parce que moun Léogan yo dit monsieur pas de jambe qu'on a d'air ou te connaît ti Pierre. Yo connaît monsieur le Pierre Baptiste. La vine sous ça parce que bah yo mélangé. Haïti va vite sinon et ça fait me dit nous. Jean Haïti est là, quel que soit dossier. Avant de rentrer sous lit, faire réserve parce que il y a des détails que nous ne connaissons pas. Moi-même, jusqu'à présent, je ne peux pas dire tout ça, je ne peux pas dire aujourd'hui. C'est vérité, je ne peux pas dire pendant 20 minutes.
m'a enregistré monsieur même pas passé parce que il pas bon autorisation pour ça. Et monsieur parle avec monsieur explique ça qui passé. Qu'on y a si des CPJ voulait défendre rien et ben il a fait suivi nécessaire pour lumière faite. Parce que Muscadet dit même comme qui passé environ 13 ans comme avocat, il pas mon fou, il pas pral exécuter un nèg comme ça sans pas gagne évidence normal, sans pas gagne élément normal. Je dis, lui-même, lui croit non seule parole, ni plaprete cimetière pour quel que soit nèg qui se bandit. Parce que pas de prison, al mette l'en prison, on juge à libérer. Est-ce que monsieur habitué fait ça? Nous pas connaît. Est-ce que ses premiers coups t'as tenté fait ça mal passé? Personne pas connaît. Que justice rende à moun li doué rende, que lumière faite autour de cette affaire pour nous connaître qui ça va aller. Et ça fait me dire nous. On pas pral rentrer dans dynamique pour me cracher sous toute sa muscade fait pour dossier hein, parce que on pas comprendre qui ça lié jusqu'à ce que me parle à un monde qui représenté comme étant proche moun yo té kidnappé hein, et de fait t'assembler contre moun ça même je la pral Jacmel et c'est là filature la fête toute planification faite. J'en ai regardé sur écran nous songe hier moi t'ai présenté l'image citoyen ça. Selon sa parole, dit monsieur Kirele Adler, Wali en bas comme ça. Et puis il a accusé Muscadet, commissaire dans Miragouane qui t'a vidé monsieur à terre et il dit monsieur c'est innocent. Hier, on était clair sur position parce que pas grand ken côté ça écrit pour un commissaire gouvernement t'a vidé mon atè. Et surtout si mon nan c'est innocent lié. J'ai clairement parlé sur ça et me dit ça me pensait, me dit toutefois, m'pa pral profiter de ça pour me cracher sur toute sa muscade fait. Et d'ailleurs, ou ka font exemple, ou ka garder sur réseau social par exemple, ou après majorité mon ou bien même dans média. Bon, oui, sur réseau, yon konye a tant pile moun yon parle. Gade pou e, majorité moun ka parle yo, c'était toujours même moun sa ou te toujours a parle kont Muscadet. Donc, pale yon pas différent. Ça veut dire, au contraire, si gen des éléments qui ka prouvé que yon gen raison sur Muscadet, c'est normal, yon a pote bourré, parce que intention c'est éliminer monsieur sous scène. Moi-même, en aucun cas, je ne peux jamais encourager quel que soit moun pour prendre malin plaisir à vider moun à terre parce qu'on ne parle pas de tête moun. Nan. Non! Ce n'est pas parce qu'on est gêné tout les dieux ou bien on pas fin beau type, ça veut dire que c'est bandit. Ou bien ce n'est pas parce que le sorti d'Elma 2, etc., Cité Soleil, Berlin, qui veut dire que c'est bandit. Je dis, gêné yon bay qui vraiment grave. En pile moun peut sortir avec carte identité yo alors que ou pas ka circuler sans carte, c'est la loi qui dit ça. Article 17 même dans décret 26 mai 2006 là dit ça. Ou doit gagner pièce identité et n'importe policier ka campo pour yo mando identifier ou. Mais on y a peur de venir là si pièce moun nan li marqué Matissan ou bien le marqué Delma 2 ou bien le marqué Cité Soleil Belair etc. comme si moun nan vinn peur pour le présenter quatre ans, on côté, parce que vous avez dit, oui, s'il saute so telle zone, c'est bandilier. Et pas vrai. Chargé malheureux, malheureuse, cap vivre dans zone sa yo, qui pas gagné pour avec question gang, mais qui malheureusement pas gagné le choix, qui vive à gang yo. Tandis, puisque yo pas gagné choix, yo obligé vivre à gang yo, mais c'est pas, ça pas vle dit que yo même, en yo même, yo c'est bandi. Ok? Donc ça, faut nous faire des cantations, ça. Cependant, le coup a, on est grivé dans NIP et puis le tombé, en pile, moun dit que monsieur, c'est innocent. Effectivement, moi-même, j'en ai dit hier, moi, j'ai quelques moun sous canapé vert qui est crime, j'ai peut-être deux ou trois moun qui est crime canapé vert. Par exemple, j'ai qui est crime, monsieur dit, t'es, j'ai pas 30 ans, j'ai vu dans zone ça, m'pas qu'on aime, m'pas qu'on aime, monsieur, m'pas qu'on aime, monsieur, c'est bandit, etc. Surtout dans zone, monsieur, y'a, s'il t'es bandit, et vous avez dit que vous avez dit etc. Ok. Donc, je suis qui ça dit comme tendance. Il semblait que
Contrairement à ça, nèg qui prend poussin pour canapé vert ou dit, ou bien Jean ou prend canapé là, monsieur pas seulement nèg canapé vert. Parce que moi parler à un monde qui bien sûr qui fait tête li passer, bon c'est ça me ka dit parce que m'pas gen image de glam ka dit effectivement oui, c'est l'autre famille victime mais de toute façon c'est monsieur qui est en connexion à nèg là. OK? C'est lui-même monsieur me croit gèlé sous Jacques Mel lié qui c'est proche moun yoté ou bien ou ta kidnappé ya qui connaît monsieur monsieur pas de jambe canapé vert monsieur nèg Léogane monsieur Léogane monsieur grandi monsieur Léogane ni grandi ça dit en pile nèg qui a acheté procès à comme nèg canapé vert pour monsieur monsieur pas de jambe nèg canapé vert vrai monsieur vin canapé vert monsieur pas nèg canapé vert monsieur Léogane ni sorti et côté monsieur sorti il était levé canapé Léogane non. Yo pas de jambe connaît monsieur Relé Adler. Ni yo son même madame monsieur pas connaît monsieur. Bah yo difficile oui. Ta semble même madame monsieur pas connaît monsieur. Parce que tout monde dans Léogane qui était levé monsieur connaît monsieur Relé Pierre. Ça est Pierre li Relé. Ben pas connaît que ça te fait défendre ni ton pas connaît ton sens. Mais tout le monde Léogane qui était levé, monsieur connaît monsieur les Pierre Baptiste. Monsieur les Pierre, il va jamais les Adler. Et ça te fait sous téléphone monsieur nèg qui t'a communiqué avec le message ouais qui partagé sous réseau social yo. Son screenshot lié sous statut monsieur, ou pour mon nom c'est Pierre li écrit parce que lui-même ça Pierre l'a parlé. C'est pendant monsieur tombé là le connaît non monsieur Adler, mais pas jamais qu'on Adler là. Yo connaît monsieur les Pierre Baptiste. Ah, bah y a un petit crasse mélangé. Rete. Parce que, remarquez, message côté yo jwenn sous statut monsieur qui publie, qui dit que ça c'est bateau en attendant, après c'est pral l'avion, ok? Moi décolle, oui. Là, pas nerve, moi fait trois temps sous terre, kounia c'est pour de l'eau, gang, 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 ok? Ces messages, monsieur écrit sous statut. Avec l'autre partenaire, la communiqué. Qu'on y a qui ça? Moi, apprendre. Parce que m'dou m'parle à un monde. Et, puisque monsieur pas de bon autorisation, parce que monsieur dit ça, t'es allié, ou qu'on j'en bas, yoé, tété, etc., à t'es fragile, m'en parle à monsieur pendant 20 minutes, moi, enregistré, m'de dit m'a pas enregistré. Pour m'ka assurer, mais pas un zombie m'a parlé. Ça dit moi gagne elle n'archive moi même te promettre m'pap diffuser parce qu'elle te dit m'tété à terre li fragile m'connais monsieur parle avec monsieur dit c'est proche moun yote victime là et Jean monsieur parle à t'assembler ça monsieur même que ti Pierre t'es en contact dans moment et ça te fait au douce et Jacques Mel monsieur pralé qu'on y a question pour nous poser famille monsieur. C'est qui ça en réalité elle t'a pral faire Jacques Mel? Parce que madame ni dit dans Jacques Mel vrai. Alors que qui compte elle d'avoir les Jacques Mel selon sa zami rapporté, c'est dans cadre négociation pour libérer otage là, monsieur t'a pral chercher un rançon qui c'est 150 000 dollars haïtiens. Qu'on y a qui ça? Ok, bon, on retourne sous faire. Selon ça, zami hein, qui t'approche victime dans rapporté. Attendez bien. Selon sa proche victime dans rapporté tété, et bien, yo, dis non, m'parle à monsieur, et m'gagne sous ordinateur dans la. Ok? Mais monsieur, pas de même autorisation diffusée, m'pap diffusée, mais m'parle avec elle. Monsieur dit que me poser la question correctement, c'est comme si m'étais dans une interview live. C'est parce que monsieur peur qui fait le pas intervenir dans l'émission à soir. Parce que monsieur ouais en pleurs bah la prend qu'elle vient sauter. Monsieur dit ah, t'es à piéger parce qu'on connaît nèg yo etc. ou gagne embranchement bagaille donc il vient prudent. Monsieur dit li yo t'es en contact donc famille hein parce que son moun yo kidnappé. On croit yo kidnappé moun nan 13 août qui sont passé là. 13 août comme ça yo kidnappé moun nan.
Le mande monsieur mais qui côté au kidnappé moun nan? Monsieur dit mais yo pas konnen li a exact sauf que yo konnen moun nan te supposé sortir les organes désolé pour rentrer pas au prince. Tande ou pays a. Monsieur dit moun nan te supposé sortir les organes pour rentrer pas au prince depuis le ça depuis 13 d'août ça pour juste bon on a parlé là moun nan pas jamais retourné. Kounya le yo pren information yo dit c'est kidnappé ou kidnappé moun nan mais c'est dans zone grand ravine yo à Lavel. M'a rapporto ça me parler avec yon zami qui c'est ta ou me dit c'est ta parce que me pas gen vraiment élément qui a dit monsieur c'est frère ou bien tonton moun yo. OK mais monsieur parle avec me très calme m'a expliquer me faire. M'a pas connait. OK kounya l'aime dit monsieur mais qui côté au kidnappé moun nan il dit pas connait exact parce que moun n'a sorti les organes pour rentrer pas au prince depuis 13 d'août. Moun n'a pas jamais retourné la calice moun n'a parlé là. Information au gain yo dit c'est kidnappé ou kidnappel et c'est dans zone grand ravine que moun nan est. Kounya yo pas konn qui ça pour yo faire pour yo faire contact avec chef gang yo. Et puis moun yo qui reconnaît si Pierre m'a répété ça monsieur dis-moi. Moun yo qui reconnaît si Pierre qui te leva avec les organes qui lui même a vive sous Port-au-Prince. Mais qui gen rentré sous grand ravine selon sa odim, OK selon sa zami a rapporté il dit que famille hein, fait contact avec ti Pierre qui sous écran ou même pas dit Adler parce que moun Léogan pas connait Adler connait monsieur le Pierre Baptiste alias ti Pierre yo fait contact avec ti Pierre pour ti Pierre lui-même t'a aidé yo dans négociation pour libérer otage là dans des pays. Kounya, le démarche commence à faire assemblée. Monsieur Dimonio, pour entamer négociation avec Gangio, faut qu'il y ait un petit frère pour le cas déplacer. Semble avant, il y a monsieur en 3 ou bien 5 000 dollars comme ça pour le cas faire déplacement. Monsieur Dimonio, dans le téléphone, li rentre dans la ville vraiment, qui pas forcément vrai, non, mais c'est ça, Dimonio. Li rentre grand ravine, li négocie avec yo, etc. Li parle à nèg yo en temps avèl, yo a libéré moun nan pour 150 000 dollars haïtien. Sa famille dit. Et puis, le monsieur a négocié à famille, li vin ba on lot numéro téléphone pour yo ka en contact ak famille. Et bien, a négocié. T'assemblé nan cadre négociation, hein? Nan cadre négociation qui t'a fait yo selon ça mon nan rapporté moi li di moi OK li dit que yo gen tan bay monsieur mkwè 25 000 dollars nan koblan yo bal 25 000 dollars pour le ka comment continuer faire mouvement yo parce que le parle etc. Mais le kounya t'assemblé tout le monsieur Abdi le pral wè moun yo gen laissé pas vrai parce que yo pa jam tande moun nan famille a mandé ti Pierre. Eh bien, soit le li pour qui ça ou pas fait mon enfant von voice pour non pour ne pas assurer que li vivant. Monsieur Abba mon yo parole kembe. Li pas jamais voyé voice là selon ça famille proche famille rapporte. OK. Kounye la qui s'écrivait puisque monsieur Geta fin prend trèche comme ça. Et puis le monsieur pa wè gen les ba la mélange dans mel parce que monsieur gen les pas gen contact moun nan vrai probablement mais le dit famille li en contact à moun nan. Li ba yo garanti moun n'ap libéré. OK, kounya monsieur a fait démarche pour le ka joine rescobla pour moun nan libéré qui c'est rescobla qui c'est 150 000 dollars haïtien, pas américain non, haïtien selon sa famille rapporté. OK, kounya là et ça te fait moi-même comme journaliste, on cherche joine ti détail ça yo. On pensait que si la vie moun important vrai pour autorité en Haïti que DCPJ Kounya prend responsabilité pour chercher connait non moun qui te kidnappé ya et pour chercher connait à qui est-ce que monsieur t'a négocié. Ça li très important parce que moi me fait premier parti et c'est ça ou doit faire avant courir prendre position arrêter son dossier. OK Kounya monsieur dit que l'heure parle à monsieur li pa ka bail on audio que moun nan vivant selon dernière information que famille a vinn gagner t'assemblé moun nan mouri. Tendez, pays, attendez.
t'assemblé moun nan mouri. Kounya, le fait que yon dit moun nan gèlè ta mouri, mais monsieur vle fè kob la quand même, sou famiyan, malgré ou pa jam gen nouvel moun nan. Kounya, ki sa monsieur fè pou le ka fè kob la? Mais, moi recevoir message ça, bien avant question yon ta touye monsieur. Mais moi, je minimise elle parce que je ne comprends pas le message là. C'est qu'on y a envie de comprendre ce qui passe, je vais faire un temps de ça. Parce que nous avons pensé, vous et monter. C'est qu'on y a envie de comprendre ce qui passe. Ça semblait que le monsieur n'a pas de contact, pas qu'à joindre moun nan vraiment pour ta faire moun nan parler pour famille en confiance. Monsieur arrange il font moun parler, comme quoi bouche moun nan mari, etc. Et puis, moun nan dit, ah monsieur, eh bah isao, eh monsieur nan kite m dégage, nous mette m deyo bah isao. Mais langage moun ka parle à son langage ou pas fin comprendre. Ça m'a fait un temps d'un petit bagay, parce que moi l'autre téléphone a bon problème en pile. Côté, bon moi si m'a fait un temps d'un petit l'ossier. Tout petit. Je suis là. Ça fait depuis bien avant exécution monsieur. Ça veut dire que langage ça, il pas bon mon langage au monde qui kidnappé. Mais comme si tu as un bouche monde qui marre et puis monde n'a dit à Tibier dégage Tibier ou mettez dehors ça, mais il pas bon aspect vraiment monde qui kidnappé. Il bon plus langage, on langage la rue, monde la rue. Yo. Bah, me tourner encore pour qu'à comprendre ça m'a expliqué parce que moi me batte là. C'est un monsieur, m'a parlé avec elle. Ok? Et t'as semblé c'est monsieur même qui t'a set up, Tibière. Là, on vient comprendre qui jouait, monsieur a joué. Côté lui. Voilà. Ce message ça, monsieur voye by famille ou bien le ta voye, bon pas trop direct, bon pas trop affirmatif. Parce que m'dou là, c'est des CPJ qui a fait reste suivi. Donc, ce message, ça, monsieur voye by famille, pour montrer que moun nan vivant, vous comprenez? Et la mandel tipiet en prix, tipiet font bagay pour nous, etc. Ok? La dit tipiet en prix font bagay pour nous. Alors, ce que son langage que moun pas fin comprenne. Mais c'est ça, yo dit. Koun yé là, ouais, bon, font titouné là quoi, lorsque t'as des motos, brilla, machine dans la rue, etc. Monsieur. Je vais vous contacter. Prétextant que otage là encore vivant, c'est ta otage qui a parlé, mais moun yo pas imbécile, yon kon voit famille yo. Et moun yo dit, mais ça va voir famille, non, ça va voir mari, ça va voir frère, il va voir cousin, non. C'est à partir de ce moment, moun yo pral commencer sous main, et puis yon rend yon compte que son l'argent tipié, ta fait à qui yo. Parce que yon pas gen contrôle moun nan vrai, moun nan jusqu'à présent, yon pas jamais gen nouvelle moun nan. Koun ya, et ça te fait. Yo pral famille hein, pral commencer par parler à plusieurs moun et il est au fait tout contact justement pour monsieur vinn prendre l'argent yo pral mettre muscadet au courant
Kounia, après de voir ça, yo, eh ben, yon, bon, monsieur, ça avait le même palais, ok? Comme voir ça, l'idée des gentils grâces dans la rue, m'a fait entendre, monsieur, qui pral dit dans deux voix, nous autres tendez, yo, et puis c'est à partir de là, monsieur pral contacter commissaire. On me garde. Ouais, ouais, m'envoie deux messages, bah, ou, pour qu'à traiter un petit bien avec yo, ou non? Et ça, c'est le message, monsieur, vous et bon, moi, côté bouche nègre la Marie. T'as dit que il n'est pas mort, nous mettons dehors. Vous comprenez? Mais monsieur, son, par contre, ça passe, là, monsieur, c'est comme la paix avec nous, monsieur, mort déjà. Monsieur, vous voulez faire comme la paix avec nous, comprenez, c'est monsieur qui a parlé avec nous, ok? Voilà. Ça, c'est ça le vrai. Mais comme c'est monsieur, vous voyez, l'information, ça, il est bon pour la police, comme si c'est vérité, c'est mon ami, là. Ouais. Vous comprenez? Et on va partager l'information ça pour ne pas monsieur votre comment oui monsieur tendez les on prend l'avant au plat monsieur voilà non me quitter ça oui me pas pral plus loin et ça te fait 12 secondes en plus moi me pas travailler dans des CVJ me c'est journaliste et me pas en face personne non plus m'a fait travail pas nous chaque dans ligne pas non mais moi même gon j'aime comprendre bagaille ouais message ça et papa là monsieur mouri au fabriqué non. C'est des messages que y a planifié pour prendre pour cet homme monsieur. Parce que famille a vienne comprendre que moun nan gèlè mouri mais monsieur a fonjan quand même d'ailleurs, on pas quoi kidnapper grand avin t'a pral mandé $150,000 haïtien pour moun yo kidnappé. Nèg sa hôtel mais konn l'argent. Monsieur que ti la pli pa mandé ti comme ça. Ça dit si famille te gèt envoyé un ti cop ba monsieur pour ta faire déplacement. C'est déjà un signe qui prouvait quelque bagage. Bon, m'pas connait. Jusqu'à présent moi-même, m'pas qu'à confirmer que monsieur dans gang, m'pas qu'à dire ça. Jusqu'à présent, m'pas qu'à dire. Et ça fait famille au monde, Jean Haïti vinier là même si c'est monde qui a dormi dans dos. Avant plaider pour lui chercher contre quelque bagage en plus. Parce que m'vlen comprendre ça qui passé là. D'ailleurs, grand pile nèg qui fait lui, ah bah pour le boucan dit ça. Pour le boucan avant elle a cité non Patrick Moussiak oui. Si la police cité Patrick Moussiak oui. Est-ce que c'est parce que Patrick n'a gang avec eux? On pas sûr, on pas quoi ça. C'est pas ça. Mais les deux gens yo kidnappé, qui est-ce qui relé pour faire des marches pour c'est Patrick. Et ben effectivement grand pile moun yo kidnappé et puis yo moun nan relé Patrick Moussiak pour dire Patrick t'en prie, garder son café. Garder checker nèg yo. Et ben t'as semblé c'est même réalité ça famille en fait. Famille en fait. C'est même gens. Quand j'ai un monde qui contacte, qui dit, est-ce qu'on n'a pas de nèg, ça, on ne parle pas avec, on ne parle pas avec, on ne parle pas numéro de téléphone, est-ce qu'on va contacter, pour kidnapper tel monde pour moi, on ne parle pas contact. Donc, t'as semblé famille, c'est comme ça. Puisque vous reconnaissez Pierre depuis que vous gagnez le ensemble, parce que monsieur, il est reconnaître le monde, kidnappé. Et puis monsieur, promettre famille, la paix de vous. Alors que t'as semblé le monde mourir, monsieur arrange le quand même pour le fond comme qu'on y a n'importe qui vire le kidnapper lié parce que si yo kidnappe un moun alors que ou t'a planifié justement pour aller prendre rançon sous tête moun nan alors que ou pas même gè contact la vraie ça veut dire ou nan kidnapping pas gè parler français sur ça c'est pas parler français et ça fait m'ta questionner si monsieur Bral Jacmel qui ça le perdu dans Miragouane. C'est parce que nèg yo a bal chaîne pour yo dire al prend l'argent. Et même saute dou ça la mandier. Pour qui ça? Me poser monsieur question hein, dans me font me parler me faire là me dit mais pour qui ça c'est Tipierre nous contacter? Monsieur dit c'est parce que Tipierre levé avec ou dans Léogane et yo reconnaît monsieur te font on vécu dans Grand Ravine. Monsieur li gè rentré sorti dans Grand Ravine. Me dit mais est-ce que nous confirmer Tipierre dans gang? Il dit il pas connaît sauf que même monsieur Tegren Gravine monsieur gagne rentré sorti Gravine qui donc il capable là yo et de fait ti Pierre ba yo garanti que le gars négocier pour yo libérer mon nom. Est-ce que vous comprenez ça qui passé là kounye là ça qui passé monsieur a fait contact avec on voit ça ce temps de là hein ça veut dire ti Pierre a fait contact ça dit en communication et ben nèg yo famille hein kounye yo dit commissaire Muscadet aider ou kon Muscadet pas ba chance papa. Pour n'y a qui ça qui passe, tout le monsieur a communiqué avec famille, hein? Commissaire Muscadet souligne, elle pas connaît. Est-ce
Est-ce qu'on entend ça, Pierre et Michel? Toute la mission a communiqué avec vous. Dernier voix, ce temps de la parler, hein? Commissaire Muscadet souligne. Ça dit toute planification, mission a fait tel côté pour l'alprim comme là. Commissaire Muscadet a tendu le souligne. Commissaire, non machine, non même qui prend le croisade, monsieur. L'elle pense ça, moun yo direct la parler, pourtant la parler à commissaire Muscadet. C'est ça que fait me dire, nous, dossier, je ne pas courir pour te bourrer si je n'ai pas tout élément là-dedans. Moi-même, je ne peux pas dire, monsieur, c'est gang, non, jusqu'à présent. C'est la justice des CPJ qui connaît sa barre. Je fais pas. Et ça te fait, je parle à la commissaire Muscadet aujourd'hui. Je dis, monsieur, est-ce qu'on est intervenu pour capable clarifier? Monsieur dit, non, quittez au palais. Je dis, quittez au sale coyo, l'homme a parlé à ma gueule pour me parler. Monsieur dit, ça, ça, je me connais, Nip là, ton cimetière pour bandit. Des bon, nek, c'est kidnappé, bandit, ou pas traverser Nip, c'est fini. Je dis, bon, on met révoqué aujourd'hui. Mais des bon, nek, c'est dans gang, ou pas traverser Nip. Je dis, c'est fini. Je dis, m'pas peur, il dit, notre tété, pas peur, m'pas peur, non? Je parle là même d'aller là. Je dis, m'pas peur, m'pas parler, pourquoi parler? Je dis, m'quitte yo sale koyo, et puis là pour m'parler, à m'a parler. Sauf que le dit, moi-même, m'son ancien avocat qui passe environ 14 ans comme avocat, m'pas fait personne abus, m'pas tuer innocent, ou mettre quoi? Je dis, fais-moi confiance, même. Fais-moi confiance. M'pas tuer innocent, fais-moi confiance. Eh bien, que Kounia, eh bien, que justice assume responsabilité. Moi-même, je fais partie pas maintenant déjà, ok? Merci à vous. Il y aurait l'intérêt réalité de ce pas comme ça déjà. Bon, dernier bagage, Muscadet, dis-moi jeudi, hein, monsieur, dis-moi tété. Je vais pas qu'elle menti pour m'baye. Je dis, ouais. Je vais la caille, moi, je vais non même. Je dis, si m'da fon bagay par méchanceté, m'de ka maquille ba la met ton 9 mm côte, monsieur. Pour m'di bon, m'de prè monsieur Aronza, monsieur dit non. M'ba besoin faire ça, m'ba gen ken ba maquille. Puisque m'de nan machine nan tout le monsieur communique avec famille, hein? Monsieur pense se kob la vin prè, et puis se avem li vin kontre. Monsieur n'est arrêté de nek ba longtemps kon sa la tap volos ou non. Nous songe ba isa. Pendant nek yo ap négocié pour vin bon l'argent. Foutant sa Muscadet yon parle yon bagode. En tout cas, bon moi-même, je souhaite que lumière fait autour de ça parce que personne ne bagage doit mourir. Mais avant de prendre position, arrêter son sujet, cherchez qu'on ait plus qui sa baranaye. Ça qu'arrive, famille, monsieur, pas qu'on ait tout déplacement. Ça qu'arrive, tout, Jean-Madame Dassé, moi, regardez mon ouvrier, pas bien vivre. Eh bien, c'est pas bien vivre là tout qui font pas qu'être nègre, malheureusement, qui va pas résister à entrer dans mauvaises affaires. Ça bien qu'arrive, monsieur, pas habitué à faire coup, ça. Ça qu'arrive, c'est la première fois qu'il a fait coup. Ça qu'arrive. Et mais malheureusement, là, il est dans mauvaises zones, qui sont zones qui ont Muscadet là-dedans. Aussi simple que ça. Entre temps, m'a pas encore signalé, moi, doyen, à qu'un monsieur fâché avant hier, parce que monsieur pas t'attendre que t'étais à parler de dossier li. M'a pas encore dit doyen. Même si t'es gain 50 habeas corpus qui fait pour Ougan, Juif Charles, et pour libérer le en face population. Ok? Parce que c'est en pile plainte qui déposé contre Ougan, Juif Charles, ça fait longtemps. Finalement, son crime de trop. M'a regardé Timoun Barak qui a fait mal, moi. Sous ton père de famille, ça t'a fait mal, tout. Mais c'est parce qu'on sont vagabonds qui ont vendu justice en bas. Et ça te fait ça pas fort mal. Avant, yon fâché, même journaliste qui a parlé avant, ou anti-cras kounia, ou getan dit, ou pas gen 100 pour journaliste. Nous pas gen 100 pour ou non plus. De bois, bon, ou est nous-mêmes, journalistes conséquents. De bois, ou pas gen 100 pour nous, de bois, pas gen 100 pour ou, oui. Parce que de bois, pas fait ça fort droit, ou pas prendre nous. C'est ça, bah, là. Ou est moi-même, tout d'autre, on qu'un belinan, ça va voir, n'a pas marché. De pour dévier, nous t'es déjà bien loin pour aller parce que nous n'avons pas de temps pour me perdre. Et ça fait me faire respect, nous douce les gens de homme. C'est patate qui ça vient manger. C'est des pales sans y, c'est yam, c'est panem, c'est mazon belle, c'est malanga manger. Vous comprenez, c'est moutade. C'est yom manger. Ça dit, nous n'avons pas de temps pour me manger zoar, en ken vagabond ici. Pour faire sport, je dis bravo. Automatiquement, quitter route là, je dénonce parce qu'on travaille pour la République. Ou pas on vend de bon marchand de justice.
ou son nèg qui là pour aider société a un criminel notoire que yo dénoncé qui touye un malheureux qui quitte petit ak madame qui en difficulté alors que qu'on y a fait tout coup mal taillé pour libérer criminel là ou pi criminel basel et nous lagué tout nèg mar yo à terre sous tête doyen à quin n'a veyo tout type fait dans dossier juge chala n'a veyo nous là à terre n'a gardo tout type fait n'a gardo tout type et faut apprendre respecter malheureux malheureuse son paquet malheureux sans défense et c'est ma mission c'est ma responsabilité c'est engagement pam et c'est engagement pam moi utiliser micro nan pour m'aider si la yo qui pa gen voix pour m'aider si la yo qui sans défense et ça fois ouais couillon engagé c'est tété yo relé parce que nous mêmes c'est yo n'a défendre nous pas défendre grand nèg ici ah nous pas gen nous gen gros ami tout c'est des gros amis là comme ça t'a passé belle sur réseau mon cher nous pas gen gros ami non pas ces amis nous gagnent qui jusqu'à vous comprendre aider nous dans la prière vous comprendre aider nous combattre mauvais air mauvais angui c'est yon gagnent comme amis c'est malheureux malheureuse qui a prié pour nous qui mettait genou à terre avant mal un personnage à Boston depuis me rivé yo dit m'était au pas aller faire prier pour vous yo demet ensemble pour yo prier pour tété avant de prendre la rue même si me prend vieux grip pour papa. Ah c'est bien lui mais c'est pour me dou nous même nous pas gain temps pour nous défendre grand nèg parler belle pour grand nèg c'est malheureux malheureuse nous défendre qui donc dossier juge Charles là qui touye barak là n'a veillé doyen t'écoute sec t'attend la pli n'a veillé ou mettre là Yuri la tortue pas innocent dans gang Kokorat Salas là. Ah ben, nous te connaissons. On va regarder ça. Pourquoi ça me tourne à monsieur sur l'écran? Nous sommes hier. Nous t'ai parlé de Yuri la tortue. Que nous pas attendre quelque temps, pas ça? Et puis, monsieur Foncil, font paraître là. Tendez bien, j'en suis dit la Haïtienne. Qui s'est passé? Monsieur Vina en l'eau bagaille là qui dit que il y a un rapport, enquête que le menait, sous nèg kap antre zam nan peyi a. Mon sonje, ou te ba mission ti tap, tout petit zuit, ayè m te di monsieur. Mais, attention papa, nan bagay la ti bonit la, d'ailleurs, gonzan mit toujours rele la, depuis le rele monsieur tapou. Monsieur di ko pa ou pa ta innocent, nan sa kap passe nan la ti bonit la. Eh, men pa konnen nou pa nèg la ti bonit. Mais, plusieurs moun toujours plein ça. Eh bien, Yuri fin parler pour un. Chef gang Kokorat Salas là. Ah, monsieur pété les plans. Ah, monsieur Gaye, bah, yo papa. Monsieur Gaye, côté Yuri, bon, fait un tas d'anti calan, quoi, tout petit, pour m'arriver. Question l'église épiscopale là. Eh? Yo te découvri deux conteneurs. Eh? Eh bien, deux conteneurs, ça yo. Eh? C'est deux derniers conteneurs. Clé. C'est environ 29 conteneurs. 29 conteneurs. Qui rentrent. Eh? Avec ça. Clé. 2022, eh? 2021, à Bali. Environ 29. Et de 2018 eh? À 2022, eh? C'est plus d'une centaine de conteneurs. Pour des âmes. Je dis à moi, il y a une donnée sur tout conteneur, ça y est. Qui rentrait eh? Avec ZAM, okay. Qui rentrait à travers finance, eh? À travers la douane, eh? Et complicité gouvernement, eh? Qui était décidé depuis 2018, okay. Fait ZAM entrer. À mes quartiers populaires, qui ont été campés contre manifestation. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, ça nous connaît. Yuri fin parler, monsieur. Donc, il y a donné correctement, mais les âmes qui rentrent pour amener ghetto, dans mes quartiers populaires, pour te gourmer contre manifestation, te qu'on fait. Vous comprenez ça, nous, donc. Là, monsieur a parlé sous Jovenel Moïse. Bien sûr. Eh bien, écoutez la société. Vin gade avec moi parce que m'te regen nèg ka fè fou la sur réseau a qui est en affiché photo ti la pli. Pa m'konn sa ka parlé a non? Yo affiché au dossier ti la pli, pa ti la pli. C'est photo ça m'pra le balague là, c'est mouché t'a parlé a. M'présenter nèg yo déjà mon cher. Pa n'gen respect pour tété oui. Hein? C'est mouché m'pra le parler nous là, il t'a parlé à son dossier. Mais gèlè sa Barbie, il t'a parlé m'la féliciter Barbie pour engagement le prend pour le boucané. Et Barbie m'dan di relé le Barbie, m'dan di Barbie shop, m'dan di Barbie
Gilles Elter et à Michel, t'as parlé parce que il a félicité monsieur pour l'engagement qu'il prend, pour le camété justement, tout chef gang yo ensemble, qui donc son gros responsabilité, etc. Et puis qu'on y a, et puis monsieur a expliqué Youri, il dit le même, il pas considéré non Youri, mais fois ça justement, faut qu'il dit, bah l'agent lié, il pas forcément dit c'est Youri qui fait le quin des âmes, mais c'est Youri qui crée qu'on courate sans race. Ah ma parole là, côté mon chef, mais y'a côté chef gang là.
Monsieur cite non, mais à boulot. Et ceci, en pile moune go naïf qu'on est non ça. Tendez la société. Ou en sot passé Yuri qui parlait de conteneur. Par contre, qui le, monsieur, t'es parlé avec Ali là. Je me disais, il dit Babé, bon, par contre, si c'est pour le boucaner ou bien l'autre. Mais, audio, d'ailleurs, plusieurs policiers, leurs amis, partagés là, moi, matin. Quand ami me pose une question, me dit, monsieur, mais, écoutez, pour qui ça? C'est immédiatement Yuri fin parler de conteneur zam qui rentre yo. Et puis audio ça après la rue. Alors, faut me dire honnêtement, on pas qu'à confirmer tout ça monsieur a dit yo, mais gen bagay monsieur dit là en pile moun go naïve tendez déjà. Est-ce que c'est vérité? Nous pas connaît. C'est Yuri la tortue à conscience li avec l'autre moun qui connaît qui capable dit est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est menti. Toutefois comme mon qui lucide nous qu'a seulement gardé le temps que audio a sorti c'est à immédiatement Yuri fin sorti un rapport côté que la parlé de conteneur zam qui rentrait et monsieur cité également gang yo qui dans la Tibonite et audio dans la rue. Est-ce que ça t'a vle dit nèg yo t'a veye Yuri yo pa vle monsieur parler du tout? Est-ce que si monsieur pa jam parler mais t'a pral parler pour te dit ça le dit jodi an ou bien c'est parce que Yuri parler et puis ça ba monsieur gaz pour le parler lui-même? Ça on dit gras suspect on comprend ça d'où parce que ça suspect mais on y a tout. Quel suspect ou pas, pour ça c'est Yuri. C'est faut nous clair sur ça. Pour ça, oh, bon, regardez-moi même. Kounya depuis gang yo parler aussi cité nom. Mais yo pas cité nom comme n'ka voyer ça mba non, yo cité m'a regardé la police k'ap vide ba yo non mais en bas la saline. Au lieu de yo préoccupé de coup de balle la police a tiré sur yo. C'est non tété a cité. Yo tombé jour et maman malheureux dal mouri quelques jours là n'a pas révélé encore. Jouer moi oh tété ceci cela cola ceci bagay ou voyez tirer sur nous moi même moi de voyez tout m'pas même quand la police tape mené opération bah non. Ça le dit poussière pas toujours levé sans vent c'est là bas la mélanger. Comment si sénateur de la République comme nèg qui gagne contrôle la Tibonite ancien président de l'Assemblée nationale dirigeant de parti conseiller spécial des présidents de la République. Monsieur que Yuri, c'est pas seulement ça yo que vous t'a toujours dit d'ailleurs. Bandi Odile et même la communauté internationale yo joine données pour yo parler sur ça. Pour ça c'est où? C'est même cas de figure pour profane Victor. Pour ça c'est ça yo disolé. Jodi alors gen ferme pour ça nèg yo pas dit oui Yuri la tortue de travail avec il pas payé au moins ça n'est pas comprendre. Donc c'est là bas l'anti crasse mélange bon moi même pense que m'pap tout ouais ti John yo di m'pa faire tout nan non
Ti John pa tourner l'autre ti John. N'attendez ça t'attendez ya mais mon petit crasse mélangé. Blanc t'a dit I am confused. Une confusion totale parce que ça qu'a passe Haïti là, il y a un petit crasse mélangé. Hein? Rete. Oh, ba yon pile ou pa. M'kite ça, oui, m'kite ça, m'kite Youri nan tomboli. Kote liye avec Meye, c'est chef gang Kokorata, mais monsieur sous écran, et monsieur qui chef gang nan. Donc c'est monsieur. M'kite Youri avec monsieur, y a discuté koz yo, m'ba konne ba lan. Et bon, Edgar Leblanc, monsieur pété plafond nan Nations Unies. Mais nous gen impression nou pa gen chance du tout. On pas connaît est-ce que ces grandes dettes nous joueraient dans mauvais la lune. Monsieur Vagafin, monsieur prononcer un bel discours, un bon discours comme ça. Et puis un petit bagaille pour de l'eau qui vient rentrer dans jouette là. Ah. Si bail ça. Non, monsieur t'a bien passé. C'est vrai message là passé clair mais moi gen moun comme si qui pas content mais son bail mondial lié. C'est pas dans chambre Kali non nous t'al prendre photo papa al garder sur page Nations Unies ou poil il est là ça tu penses comme journaliste ouais tu ça va chercher c'est ça les insolites oui dans communication si ou pas faire média ou pas faire communication bon OK rester là ou même mais tout média ou pas au focus sur ça nèg ga caméra là yo focus sur lui cliché ça avec la prêle ou pral bon on saisi ou gen article nèg yo écrit et puis on prend cliché ça pour mettre le dans page couverture yo insolite mais ça pas ou étant rien dans toute qualité justement ça t'a dégagé dans espace là mais n'était qu'à éviter ça mais c'est ça ou a dit l'on pas gen chance tout comme si même lettre cahier cassé tête non. Nous fin font bel coup comme ça bel coup papa monsieur Sapata la France dans discours m'va faire entendre tout m'va faire entendre tout avec m'a commencé pour m'ca faire entendre toute parole honnête monsieur Sapata la France dans discours monsieur parler avec Donald Trump il répond Donald Trump qui dit c'est volo nous manger bête ici bête yo je parle avec monsieur font bon discours et m'a regardé Gary quand gratté qui dans assemblée Gary Konye, ça te fait le temps de jouer pieds et mains. Moi-même, si malheureusement, Edgar n'a pas pouvoir le prétendre ni gagner. Sinon, ni Gary, ni équipe gouvernementale, là, tout a prévoqué, oui, dans l'immédiat, oui, après, retourner. Parce que Gary a tenté un coup d'État diplomatique. Konye, moi-même, t'as bali coup d'État pour bon. T'as remplacé le chargé, n'est-ce qui a pour le ministre dans le pays. Il n'a pas obligé Gary Konye. A dit Gary Konye montre son bluffeur. Il montre son nek qui a cherché rang. Monsieur Alba, un coup d'état, il n'a parlé sur ça déjà. Parce qu'au pas président, on fait tout son capable pour déplacer la délégation par où, alors qu'on pas même fait une démarche pour président à vini. Jusqu'à ce qu'elle reçoive la lettre, d'ailleurs, moi-même, nek te koum, m'a la vini encore. Peut-être c'est ça qui fait tout. Bon, faut le prendre ça, parce que quand on est dans la vie, chaque échec ou prend par état 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est exactement ça, Edgar Vella. Le fait qu'on connaît les trébuches, les bouscules, etc., finalement, il vient camper devant l'ONU et puis il parle clair à Mounio sans langue de bois. Et correct, sans mamoter, sans rien, monsieur font discours correct. Mais pour de l'eau, anti-crasse, dérangé. Oh. Ah. Rete. C'est là ti problème. Non, bon, est-ce que chasse même nous pas gagné? Ça coûte pas de l'eau ça sorti là l'entrée dans cause là. Bon, mais je pas stressé. Parce que en communication, on va les traque. On ça traque en communication. Patrice Salomon parle de ça, il a parlé de ça puis bien monsieur de Payen, maître Camille, papi Jacques, en même temps de mon cher côté là, me salue lui. Ils sont capables de traquer en pile, traquer en communication, ou on va par exemple, ou devant, ou assembler, et puis, ou à parler, et pour sentir papier à trembler dans mon, ou sentir comme si sué à vider dans main, et puis, ou par à camper droite, ou comprendre ça, ou on laisse ça traquer en communication, ou traquer. Je veux pas traquer. Par contre, ça passe, mon cher, parce que soit prendre de l'eau, faut garder de l'eau, mon cher.
Il dit, monsieur, regarde de l'autre côté, et puis pour avoir une direction. Et puis il part, ouais. Ah. Mon cher. Si il va t'y barrer pour là, papa, il dit sous 10 net, oui. Mais malgré tout, nous, quand même, monsieur, 8,50. Nous, 8,50. Ah, c'est pour de l'eau, ils font, ils font, pas obligé. Mais c'est pas là, bah, là, grave. Non, on connaît. Ça a fait plus effet que discours en lui-même. Parce que c'est ça, nos besoins sur les réseaux, fait boss, etc. Et ça, il faut après, on prend, mais après, on choue là, tu parti de l'eau. Parce que c'est pas ça qui est important, c'est parole qu'a dit, monsieur prononce son discours correct, et Gary Koné, il n'a pas une dimension pour te prononcer discours ça. Et là, monsieur, parle pas, m'entendez, ça l'a dit. Hein? Il a dit, voilà, même qu'on est ça, etc., Gary Koné. Ça veut dire que c'est gros parole. Et Gary va la poser des qualités causées, ça, autour. C'est le pipe Mounio qui est Edgar Leblanc. C'est Edgar fin grand monde, ça, il a un ballon petit bagage pour dire, vous comprenez. Mais son bel bagage, il a fini de parler des Nations Unies. Et ça, il faut que grand monde, là, Leslie Voltaire, monsieur fin à Royo, l'enragé, même s'il a humilié, il parle de tous côtés, non, il pas sous lui, il n'a pas connu. Mais là, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent. Son père est difficile, monsieur. Et mouche était chanté, soit fort, puis il faut le garder contre bouche libre. Allez, Jean-Jude, Claude. Il faut le garder. En tout cas, David Sousa tout à l'heure, ensuite, on va aller plutôt dans les Nations Unies avec Edgar Leblanc, fils, qui débarquait aux Nations Unies jeudi. Hein. Monsieur prononçait un discours, c'est un discours tête chargée. Discours tête chargée. Pour qui ça? On dit discours tête chargée. Comment on dit? Ah ouais. On paye difficilement, pas. Edgar Leblanc, entendez en grande partie discours, monsieur. On va le faire entendre tout discours, monsieur. Au senti couvlil, couvlil, c'est un nègre qui te chiré timalis qui a parlé. Son nègre qui maîtrise le sujet. Son nègre qui connaît lui. Et monsieur parle clair, ou tendez ça l'a dit, c'est pas nègre ou gari koni qui a parlé ni créole ni français, ou pas comprendre ça l'a dit. Sauf que monsieur parle. Monsieur parle ça, monsieur parle correct. Toutefois, moi-même, pense que, regardez, qui brate, là, gari saisi, regardez, ta gari. Gari pas honte, monsieur, gade, gari koni. C'est pour ça, t'as goumé en la, qu'elle a mangé, là, gade, chital. Mais l'autre femme, nan, mel côté, là. M'ta prévoqué tout, si m'te gen pour voir ça. Eh ben, gratte. Gade, ou l'esti volte, nan, courant, même. On gratte, lié tout. Vous comprenez? Tendez. Notez quelques bagages dans le discours, que nous allons tendez. Par exemple, sous tribune Nations Unies, Edgar osé. Parce que il y a un pile déclaration monsieur fait, c'est déclaration osé, couvlel ko pavlel. Par exemple, côté monsieur évoqué le nom de Jean-Jacques Dessalines. Son discours qui paraît osé. Parce que debout, conseil de côté au pavlo cité non papa nation. Toutefois, si nous avons fait une analyse pointue, il y a une incohérence. Parce que pas qu'à aujourd'hui à vénérer Jean-Jacques Dessalines, et puis on a demandé pour une force occupation étrangère venir dans le pays. Vous comprenez ça? Donc, ça, il vient au Tigres. Jean-Zami a dit il pas colté. Vous comprenez? Ça, on t'y crasse, vine paraître mélangé. Vous comprenez ça d'où? Parce que discours sont bons discours liés. Non seulement pas souhaiter gen réplique, gen conséquence qui baille. Parce que faut nous d'accord, nous pas grand monde tête nous vrai. Et ça fait grand pile de bagarre fait, mais est-ce que pays a li résumé ou bien li pral pi belle avec discours? Non. D'accord, discours c'est un commencement parce que parole yo yo gen effet. Ça qu'arrive que parole ou prononcé yo gen moun ki comprend yo ki agit. Yo ka toujours réagi dans bon sens là. Peut-être ça ka aider yo ka prendre conscience. OK? Maintenant, moi penser
si monsieur par exemple t'est avancé pendant la parole de Saline, OK, et puis pour t'a parler de possibilité pour les Nations Unies t'a bail pays pour renforcer l'armée d'Haïti, ça l'a fait plus sens. Parce que ou gen tan ansan Edgar et tout ansan net di parole là clair pour nous ou parlons foi. A dit pendant on parle de Saline, au lieu qu'on y a remercier pour force étrangère qui vient là qui pour qu'on utile nous, hein, plutôt tout préférément de yo face à la recrudescence de la violence qui a augmenté dans le pays là, pour qui ça justement nous pas capable eh bien aider pays d'Haïti pour nous renforcer l'armée d'Haïti, pour nous renforcer la police nationale d'Haïti. Monsieur que pour tout compatriote, pour tout nationaliste des salinistes, pour me répéter, professeur Osner H. Févrite, il m'a parlé de desalinistes, pour les desalinistes, pour les desaliniens, hein, pour les christophiens également. Donc, pour les vrais patriotes, discours a bien plus sens. Parce que si on parle de Saline, alors que on pas qu'à évoquer l'armée indigène, mais puisque je dis, de toute façon, nous avons l'armée quand même qui est là, et bon, on a tout profité de au lieu de demander des forces étrangères dans le pays, hein, pour qu'ils ne pas renforcer la capacité FADH, capacité PNH. Bon, garantie, discours, tu as bien 10 sur 10, nous avons oublié les affaires type de loi. Et bien, pas fin oublier le net. Donc, je pense que c'est là, justement, pour nous garder. Et puis, bon, là, il a plus osé. S'il a tout profité, bah, un petit tap sous coopération Occident, parce que la communauté occidentale, gonjan y a menen qui pas fin correct. Là, je pense que yo, un petit crasse mélangé. Cependant, l'homme temps des discours, monsieur, a formé honnête avec nous. Je pense que j'aime te dire déjà, ça fait présidence tournante, là, son scandale, son bêtise. Edgar Leblanc a capacité pour le mener et transition, hein, jusqu'à ce que nous vivions vers élection. Que yo fal. Ça fait présidence tournante. T'as l'entendé, tinek kout la kap marche la après photo, et puis il pensait le le président, tinek Claude Joseph là. Et comment mon cher les Smith Augustin, nek BNCA. Vous comprenez? Ça veut dire que je pense que monsieur Gagné a capacité assez pour le temps mener transition, hein, et puis jusqu'à ce que vous arrivez vers élection. Et puis éviter toute gagote qu'a fait qui passe par là, etc. OK? Donc, moi, penser en gros, c'est un très bon discours. C'est normal, c'est l'homme qui a toujours une perfection là-dedans, parce que j'aime bien vraiment qui est parfait à 100%. Mais son discours qui a un pile bagaille là-dedans, eh bien, je pense que il reflète en pile dans la réalité de vivre. Je dis, je vais me permettre de nous tendre avec oreilles, pas nous. Discours, eh bien, Edgar Leblanc, fils, qui sous tribune Nations Unies, je dis à monsieur parler, monsieur vide causate, et wap gade visage, gade figi l'autre bluffer qui là, eh bien justement, oui, Edgar Leblanc lui réclamait justice pour les dettes coloniales devant l'Assemblée générale des Nations Unies. En attendant ensemble le discours du président de la République, conseiller président, Edgar Leblanc fils, de l'Assemblée générale. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les présidents de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord
d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio, aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Excellent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées,
soit incluse dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le Développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë.
Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la Révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie était omniprésente. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience
et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative. Chapeau. Par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous, la communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti, ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes.
elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, ou plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti. Il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. La France. Il n'est pas sans intérêt de rappeler
qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées. Bravo. Des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Ah bon? On pose des ordres. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, vous à écoutez, cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Mmh. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable, et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti! Vive la coopération internationale. Demain, un autre pays. Demain, un autre monde. Chabas. Bon Dieu béni. C'est pour te ça. Péchant yo habillé. Yaxam pour yo manger. Merci à vous, Edgar Leblanc, fils. Monsieur, c'est ancien sénateur de la République. Monsieur fait en 1955 à Miragouane. Oui, monsieur Neg Miragouane. Monsieur gagne 69 ans pour l'instant. Monsieur Gal gagne 70 ans bientôt. Monsieur, il fait premiers amis dans le secteur affaires publiques là, à travers des activités culturelles et communautaire dans une association jeunesse que l'y fondée en 1976 dans ville natale.
Sorti 1986 pour arriver 1990, monsieur participait activement dans mouvance démocratique revendicative là. Eh ben, son genre, en 1991, monsieur vini comme cofondateur parti Organisation du Peuple en Lutte, qui c'est OPL. Donc, monsieur milité dans implantation organisation, ça, dans département de NIP, contre un coup d'état militaire, etc. Côté monsieur, t'as pral arrêté puis emprisonné en août 1994. Dans l'élection 95, monsieur élu sénateur de la République. Côté le représenté département de la Grande Danse, monsieur Vini comme président Sénat et Assemblée nationale. L'an sorti 1995 pour arriver dans l'année 2000. Eh bien, monsieur, justement, il était poté dans l'institution sénatoriale. Là, touche pas li, yon touche sa capable di de yon réformateur. Monsieur inscrit action li dans le Parlement. Dans le cadre de modernisation système politique là, monsieur Edgar Leblanc fils li inauguré en 1998 centre de documentation du Parlement sous plan international li activé coopération interparlementaire notamment avec les présidents Jean-Pierre Charbonneau et puis Philippe Séguin, nous songez ça respectivement qui sorti dans l'Assemblée nationale du Québec et puis Assemblée nationale française. Monsieur, c'est coprésident d'honneur de la Conférence parlementaire des Amériques. Edgar Leblanc fils l'a adressé à la première réunion qui était faite dans Québec en 1997, discours inaugural conjointement avec qui donc notre tête collée avec président de l'Assemblée nationale québécois. Et puis, sénateur José Sarney, ancien président Sénat et président Assemblée de la République fédérale du Brésil. De 1997 à 2000, il présidait la section haïtienne de l'Assemblée internationale des parlementaires, dans la langue française, ça roulait à IPLF. Après élection scandaleuse en mai-juin 2000, eh bien, Kevin opposé à la validation des candidats qui sont dans l'élection SILA, qui ont une élection qui est très contestée. Lycée MAB, direction nationale, parti OPL, li assumé fonction coordonnateur général et à la mort de Gérard Pierre Charles, nous songez ça en octobre 2004. Eh bien, c'est le deuxième congrès national parti qui réunit en décembre 2004. Qui confirmait justement non qui bali chose ça qui bali responsabilité ça li vin réélu nan poste li par un troisième congrès qui fait en juillet 2008 et ben il est justement en 2009 il était youn principal fondateur coalition politique alternative patriotique pour le progrès et la démocratie. Edgar Leblanc monsieur militait activement depuis 2005 pour la formulation et la conclusion d'un pacte politique garantissant la stabilité, la gouvernabilité du pays. Bon, c'est ça, j'ai toujours dit. Monsieur contribué d'une façon pali, qui est très remarquable, pour moderniser le système politique haïtien. L'hypothèse au niveau OPL, Maxa, dans souci, pour l'organisateur et puis talent que le gagnant de médiateur. Parce que M. Onègre, le parlement fait bruit, etc. Donc, dans le quatrième congrès national qui réunit les 26, 27, 28 août 2011, ils transmettent by militants, yo, eh bien, ils ont un cadre intermédiaire qui est dirigé, justement, côté dirigeant national, yo, parti qui consolidé sous une base renforcée, conviction idéologique, et puis mettez plus confiance dans demain, yo. Na mission historique si là. En janvier 2016, li vin candidat pour élection deuxième degré, qui donc élection tabral fait côté que ont besoin un président pour te vin remplacer Joseph Michel Martelly après 5 années, li passé en tête pays. Monsieur te vini de nouveau coordonnateur général partia depuis le SAA pour le 6e congrès national qui fait à Marigot, nous songez ça dans sud-est pays en avril 2018. Pour un mandat 3 années. Eh bien, qui est-ce qui Edgar Leblanc? Il est ingénieur de formation, et il est diplômé en administration civile,
Et puis, li mené depuis 1976 pour arriver 1991, yon carrière qui potait justement au niveau transport public. Alors, ministère transport public à communication, c'est monsieur fait carrière là, pendant un bon bout de temps. Et puis, monsieur suivre des cours en économie et en gestion de transport dans l'Académie Advanced Traffic à New York en 1982 pour arriver 1984. Et puis, il suivait également des cours à Institut Transport qui trouvait le niveau Mexique en 1990. Monsieur Will certifié dans la formation SILAO en gestion, évaluation de projet par le ministère de la Planification et de la Coopération Externe en collaboration avec OEA. Monsieur certifié également en gestion et administration portuaire par l'autorité portuaire nationale en collaboration avec Sanrele Trainmark, qui c'est Training Maritime, etc. Monsieur, c'est chef service planification et études dans la direction des transports. Li planifié et coordonné premier relevé exhaustif des routes primaires, secondaires, tertiaires de la République en 1988. Éducateur bénévole, monsieur contribué en 1991 pour arriver 1994 et en 2001 pour arriver 2004, dans la formation divers jeunes dans la région des NIP, et bien, dans le niveau secondaire classique également, dans le niveau technique, à travers Institut Technique Libre, qui c'est ITL, que lui-même l'a fondé en 2001. Ah, ben, faut nous parler, si j'ai fait un bel discours, faut nous qui est lié. Donc, dans le cadre d'activité, fondation SILA, Inès Troupnas Leblanc, dont monsieur c'est président, conseil d'administration si là. Donc, pour compenser dans la carence qui gagne dans le cadre politique administratif dans la fonction publique là, etc., initiative brutalement stoppée en 2004 par l'incendie, bon, c'est ça que payant, les nègres là font bagaille, bah, les politiques nous allons mettre du feu là-dedans, pas un problème. Incendie, au boulet, caille monsieur, bibliothèque li, etc. Et bon, monsieur ouvri dans parti en 2008, l'Institut Gérard Pierre Charles, qui c'est ISGPC, qui compte qui gagne là-dedans, il y a un centre de formation et de cadre et un centre de documentation et de recherche. Monsieur certifié en qui ça, colmédiation pour la paix, justement, et puis suite à une formation de longue durée en philosophie, on nous sentit ça, et recherche pour expérience que les gagne l'administration, etc. public et puis trajectoire politique li entre 2012 à et puis 2018 monsieur li sollicité comme consultant au TMT li te mandé li on balanti ba comme consultant dans plusieurs programmes de formation appui à renforcement institutionnel monsieur c'est militant de cause du changement et du progrès sénateur Edgar Leblanc fils donc monsieur Sonègue en moi qui bien sûr qui aide en pile les jeunes yo, etc. Mesdames yo, dans partiant, et puis dans milieu, action, service, dans OPL, monsieur encourager les compétences et les dévouements de tout horizon, pas un problème, des organisations populaires et des cadres professionnels pour le respect, la préservation et la consolidation du bien commun. Donc, c'est ça, eh ben, Edgar Leblanc, monsieur, pour l'instant, monsieur fait 18, ou non, il y a un mois d'août, lié. Comme fait 26, monsieur fait 18. Monsieur fait 18 août 1955 à Miragouane. Pour l'instant, monsieur gagne 69 ricottes café sous tête li. Ben, justement, c'est un excellent discours. Moi, félicité, moi, été chapeau devant Edgar Leblanc, fils. Alors, par contre, qui est-ce qui t'a dit mon idée? Fernando Alsoubaï, ça, en pile. Mais, je suis à distance, de toute façon. T'as comme constaté, Edgar, monsieur. Alors, bon, bah, nous temps, monsieur, parler. Monsieur, parler 30 minutes dans des pays. Faut me dire clair. On connaît moi, je regarde tout bagage. Monsieur parlait 30 minutes 9 secondes. Edgar Leblanc. Monsieur prononçait un discours pendant 30 minutes 9 secondes. Alors moi, oui, t'es parti de l'eau, etc. Parce que ça, il parlait. C'est pas ça qui est important. On connaît ça qui faisait, etc.
Ne partage le mauvais bon retour parce que mais li anti crasse bay parce que li même moi retel sous format TTA. C'est là c'est tout monde qui connecté moi retel parce que ti bay pot de loi pas retan rien dans qualité discours. OK? Moi même moi féliciter Edgar Leblanc mais gon constat que me fait. Et qu'on constate tout Edgar appli là, monsieur pas gagner dans mel. On pas remarqué monsieur gagner Kevin Amel parce que mon si Edgar il tape là de temps en temps ou elle tape virer papier virer ceci moi monsieur de comme pas fin ouais mais c'est là où moi monsieur de mail de piel et pas ça et puis l'a déposé monsieur il a écrit discours puisque c'est lui qui écrit alors c'est ça oui ça semble c'est pas mon qui écrit monsieur qui écrit Raphaël puisque c'est lui qui écrit il apprend Raphaël. Il va là au stade. Nous, mais t'as dit, puisque c'est monsieur qui écrit à Feli, et bien t'as semblé dire, bon, il m'a écrit le même papier. Il va pas, ça va facile pour tout le monde, non pas. Son nègre presque 70 ans, 10 ans là, il faut nous clair sur ça. Les canons télécon pour opter, pas fin quoi. Nègre, ça, c'est ancien mon yo. Moi, je m'en regarde Edgar là. Si des gros bagages dans mel m'kwem nous te kawel devant là. M'ka kou mwa monsieur m'en pas rien dans mel. Ça dit puisque monsieur c'est lui qui écrit discours li et puis justement monsieur gen les trois prennent discours dans tête li ou bien gen droit bon gen quelque façon yo ka li ka garder li et cetera ou bien gon écran devant. M'pa konnen parce que m'pa wè. M'pa fin wè. Mais là image la tourne sou moun yo mais on ti ba m'ap garder tout. Moi on aime m'dou garder tout bagage. Et premièrement, Leslie Voltaire, monsieur pas ta connait qui gris hein dans image là, monsieur t'a envie dormir tout. Mais deuxième bail c'est que Gary Conny, monsieur ouais son gratter qui n'a assemblé là, qui chita bon côté Dominique Dupuis, et monsieur a dit dans quel monsieur, aïe, ça pourri ça pas monter là parce que là frémnant tout pour aller joindre Edgar Leblanc. Et qu'on y a al checker sur Google pour ouais. De vous cliquer Edgar Leblanc, il a dit c'est président pays d'Haïti. Ça dit, kouni, bay, présidence tout notre, là, son désordre lié. Ça dit, tout quitte Edgar et gérer transition pendant 2 ans, un petit moment le passé, jusqu'à ce que l'élection organisée. Et puis, Gary Conny, son radeau tête pas venu glaner sérieux là, qui a essayé, un coup d'état pour le contrôle pouvoir, eh ben, que Edgar Leblanc gère, là, et puis, qui paye avancer. Paye avancer. Et ça seulement, hein. Eh bien, justement, on a le prend quelques amis là, nous pas prêter, on a continué à l'autre dossier demain. Et oui, l'impossible pour nous parler demain avec commissaire Muscadet sous dossier et Tivière. L'impossible. Monsieur dit, bon, il a tout donné, qu'on n'y a pas un problème du tout, il est prêt pour le parler. Mais il dit que pas un problème, on a parlé demain. Tout le monde dit téléprompté. Eh bien, pas un problème, non, l'impossible. Mais j'aimerais, monsieur, à déposer là, va pas téléprompter ou pas, monsieur, bien déposer, ou pas. Il n'est pas facile à tout le monde, non. Parce que l'OCAP est devant Nations Unies, sous tribune Nations Unies, devant pile, monde va déposer comme ça. Non, si tu vas glisser, il y a un petit fly, tout petit glisser, oui, et donc tu vas accent pour l'oscillation. Mais c'est pas important. Monsieur, parle tout causé dans laps de temps. C'est vrai, c'est pas tout pays à net qui comprend pile français, yo, mais il était obligé de parler comme ça. Je pense qu'il faut créole parler en deux Nations Unies. Ça nous clair sur ça, il faut créole parler dans la tribune Nations Unies pour chercher à comprendre qui ça nous dit. Pour chercher à comprendre ça nous dit. Vous comprenez? Mais Edgar Leblanc, mon cher, bien déposé, m'a nous désiré que le gonvier rêve là pour papa. Je ne connais pas. Et quand mon nom est papa, je ne connais pas. Je nous désiré dégager et ça le dit. Mais moi, en bas live là, moi, plusieurs, même Marie, même Rachel, je ne parle pas de ça, papa. On a le bon premier ami en ligne, on a dit bonsoir et bienvenue. Allô? Allô, allô? Frère. Bon, moi, salut, bonsoir et puis mon salut tout auditoire là. Nous salut, frère. Comme d'habitude. Comment vous êtes? Eh bien, on connaît, on a pu frapper. On a pu frapper. Yes. Mon cher, c'est pour deux raisons que je préfère aller là. Premièrement, c'est pour question Muscadet. Ça qui passe. Premier, j'ai un paquet de bon monde qui tellement pas voulu avec Muscadet. Ouais. Des journalistes, on sait des nègres, etc. Un paquet de nègres. J'ai l'impression si vous êtes capable de payer un nègre que vous connaissez qui propre pour vous faire pour Muscadet tuer nègre ça, pour vous capable de marrer Muscadet. Parce que c'est ça que vous voulez. Yeah. Objectif par yo, c'est éliminer Muscadet parce que Muscadet gêne yo.
C'est problème yo ça. C'est ça que fait quel que soit coup Muscadé fait, il y a toujours d'où mon cher, Michel a fait que a tué innocent, l'a fait ici, l'a fait là. Donc en pile prudence, moun ki, yon paquet moun ki a couru dit que eh ben Muscadé a fait ceci, a fait cela, nous déjà on a qui cancre au campé. Donc population moun ki pour sécurité, qui pour la paix, qui pour bagaille au marché dans pays là, eh ben prend et rester avec bon sens non. Chercher comprendre réalité a, et puis à comprendre côté vérité a. Yeah. Deuxième bagage là c'est affaire pour de l'eau. Là affaire pour de l'eau a passé madame Mankouri vous dit mes amis, gardez histoire, gardez ça et gardez blanc fait mes amis, un bel discours comme ça et puis pour lui il a gâté là avec un pot de l'eau. Au lieu justement monsieur prend verre à son pot de l'eau, moi dit attention. Ouais. Et un peu quoi il va mal checker. L'aime checker, il me garde, il me dit et dans les blancs c'est pas n'importe qui. Ouais. D'ailleurs on va garder la pli même si que le tête de papier que le pas de papier que le tête sous télépompteur Jean Audia. Nous voit que c'est un qui maîtrise ce sujet là. Yeah. C'est ça qui est important. Ou voit que c'est un monde qui connaît qu'à parler. Correct. Et c'est ça me dit, moi te dit justement que Michel c'est un ancien sénateur, un intellectuel et non seulement il était sénateur mais il était et président Sénat. Yeah. De 95 à 2000. Jusqu'à 2000, ça veut dire 5 ans, ça veut dire son nèg qui a fait une expérience dont il veut de l'eau, il ont ceci nèg là qu'on est, il aller dans gros réunion, gros meeting déjà, il ouais, il pas regarder bagarre dans télévision et cetera dans radio. Donc si ba ça yo sou elle fait on paquet de bande monde qui parle en pile, mais moi-même moi dit dernière réflexion que j'ai fait avec Daline, moi dit l'impossible probable parce que en politique tout est possible. Conseil de façon pour sauver tête ou pitot tout le monde dit regarder tête on fait et tout temps ça le fait il connait ça le fait ben nèg dernier parce que on connaît pas comprendre. Ah oui, parce que en pile monde pas comprendre que même si monsieur ta j'ai mis ta fermé on croit faut le ta faire différence entre on veut avec un pot. Ouais, s'il choisit prend gros pot ça le dans bouche et faut ta connait direction bouche li tout. Mais c'est ça me dou. Ça veut dire s'il choisit prend pour de l'eau ça pour le boil dans mitan Nations Unies côté le monde entier a regardé au lieu un verre mon cher Pigodimbay Michel lui même seulement qu'on a raison même il pas dit nèg il a raison alors l'autre monde mes amis on quitté à faire pour en nous justement travail ça que nèg la faire sauf que le Michel choisit parler comme ça. C'est certain que nous connaissons l'Occident après le maté, Michel. Ça va bien mentir là-dedans. Il y a tacle, il y a tacle. Non, il n'y a pas de tacle, non, il y a tacle. D'ailleurs, c'est parce que il a commencé à tacler le même qu'il faut que Galconi capable de faire permettre, comment on dit cela, nous t'a dit ça, qui fait orancité ça. C'est parce que Michel connaît. Et je pense que c'est peut-être une façon tout pour Michel dire bon, et nous avons de l'honnête, d'après moi-même. Yeah. Ok? Alors, c'est ça, mon petit pour me dire, et puis nous saluer tout le monde. Merci. Donc, qu'il y a la tété, n'a pas continué de travailler là-bas. Merci infiniment, merci infiniment. Oui, son discours qui gagne pile là-dedans, je suis fait référence à la dette de l'indépendance, etc., la sécurité, la stabilité économique, politique, sécuritaire, etc. Je me suis rappelé en pile mission de passer dans le pays à don MINUSTAH et qui ça a quitté tout comme conséquence, comme séquelle. Donc, son vibrant discours qui gagne pile bagarre là-dedans. Ou bien, doit toujours nèg qui, comme si pointé, etc., qui a cherché la petite bête. Il a toujours dit des bagarres, mais en gros, son discours, effectivement, senti son haïtien qui a pas l'amener à cœur. Ils sont vétérans, sont expérimentés, c'est pas on est comme si d'un coup pile petit bloc fait venir là dans CPA tout besoin président, mais pas qu'il y a une carrière politique vraie. Et là dans la diplomatie, c'est grâce à Claude Joseph qui vient faire un gagote dans la diplomatie, a puis tout les diplomates etc. Mais en compétence là on saute parler de monsieur là un peu de temps, dit qui côté parcours monsieur. Côté le sorti. C'est-à-dire Edgar Leblanc monsieur et c'est pas on est comme si ou gen trop bagay de corruption ka reproche, pa gen moun ki parfait. C'est sûr que gen ti bagay, mais pa gen trop bagay de corruption
qu'on a reproché au nec, t'as couru de gare, on a eu avec monsieur par rapport à orientation politique, li, par rapport à entourage politique, li. Mais en termes de corruption, de papa vol, ou papa gang, on pas croire qu'a tellement critiqué Edgar Leblanc sous ça. Ça, son vérité lié. Et c'est ça que fait, depuis la transition, en pile monde est cité, monsieur. Ah. Même si l'équipe PHTK a proposé le tout, vous comprenez ça, nous, son équipe peut-être chargée. Depuis l'équipe, ça a campé derrière le monde, tout lui fait peur. C'est là, petit problème, non seulement. Mais on est qu'on a critiqué de trop bagaille et on senti le discours d'Edgar Leblanc. C'est on est comme si qu'a parlé à Nani Akel et c'est un haïtien, un vrai patriote qui a décrit réalité pays, et bien justement, sous tribune Nations Unies. En prenant l'autre ami sous 62, on a dit bonsoir et bienvenue. Allô, Dédé? Allô? Allô? Oui, oui. Comment est la Dédé? Grâce à Dieu, on a formé vous-même. Mon cher Dédé, les autres qui ont été pour Mistade, pas connaître ton conseil. N'a dit, la mère dit Mistade, pour plus ou moins, et ça vous met le vidéo de Dieu. Et sur ce, on va faire un commissaire, on va faire un examen de côté. Vous comprenez le cas? Tout à l'intervention, ça me l'a là. Et ce pas l'intervention, mais c'est ça à l'autre côté. Par exemple, là, après vie et tout, il y a des photos, et même ça, bagaille. Donc là, au cas où, après ça, si nous faisons une bonne information pour nous, nous avons aimé avant, nous faisons quoi que ce soit, nous faisons une glisse de photos avant, pour nous demander au conseil, ou même nous faisons quelque chose, nous allons laisser ça, pas de déprimer. Et c'est le conseil, ça me l'a fait, c'est pas la deuxième fois, bagaille, pour la personne, le problème, tout. Parce que même si nous faisons un fil à d'argument, parce que souvent, on est en Nouvelle-Zélande, et on a menti, c'est fait, on fait, c'est que on crée bien, bien, que bien, 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 bien. Je comprends que ça, ça ou pas, ça, si vous êtes là, mais j'ai un grand jour qui paye à donc l'obligé de passer. Mais, c'est la couverture. Et moi, ok, merci à tous. Merci, infiniment. Oui. Oui, alors, on est, par rapport à discours Edgar Leblanc, eh bien, oui, un pile, mon estime que monsieur, c'est pas forcément comme si dans la tête, par cœur, Aldab Dili, c'est un pito, j'aime dit à l'heure, alors c'est pito. C'est un système que vous utilisez, je dis, à télévision utilisé, et même social media, vous utilisez l'empile, tout, c'est téléprompteur. Donc, vous utilisez le média, journaliste sur la télévision utilisé, comme si vous n'avez pas parlé, les gens doivent appeler, on va aller là, mais on pas, ou pas, ouais, hein, il y en a même, ils utilisent ça. Et c'est ça, ne relais, un téléprompteur, et il y a des gens qui utilisent le pour même faire live sur les réseaux sociaux, etc. En tout cas, quel était téléprompteur, quel était naturellement Jean-Monsieur déposé à, et bon, ouais, Jean, Monsieur Noël te dit, son nègre qui maîtrisait ce sujet-là, qui t'a parlé, et me pensait ça, et au mérité, apprécié, au mérité, justement, pour non pas, comme si minimisé. Bon, vos amis qui soulignent longtemps, mais qui ont difficulté pour me voir en ligne, m'obligez pour l'autre ami sur ligne, m'a dit bonsoir et bienvenue. Allô? Je dis bonsoir, oui, Tete. Bonsoir, frère, comment y est? Ok, mon cher, nous voyons mal, nous avons très bien. Yes. Mon cher, nous avons un gros coup de chapeau pour Edgar Leblanc. Ça que nous l'avons dit, monsieur, il y a un télécompteur devant, il y a deux, au moins deux screens devant. Au dynamo, quand il y a un devant cher à côté, il y a devant Repet là. Mais ça qui passe, c'est que l'Ikali, on va dire qu'on l'Ikali. Ok? Et l'autre bagaille que je dis, dernièrement, dans une émission, il y a eu des salles d'un ancien professeur, deux anciens professeurs. Mm-hmm. Donc, c'est condisciple, ancien condisciple, qui vient de dire, qui fait. Tout de suite après l'émission, on dit que les messieurs me disent côté salle. Qui est ce papa? Il y a vive les Maningas. Oh, yes, 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 ok. Il y a vive tout pour vous. Yeah, yeah. Yeah. Donc, ça que je dis, tout le monde tout cap battre comme maintenant. Non, il est difficile. Obama bon lance en pile. Clinton bon lance en pile. C'est Trump qui pas qu'on lit, qui va qu'à seul. Parce qu'à la minute, il va le prompter, il va qu'arrêter là-dedans, il pas qu'on lit. Donc, essayez de faire observation, ça va vous.
Oui, c'est vrai. Obama, monsieur, correct. Yes, c'est yeah. Pour le télé, sous téléprompteur. Yeah. Créole pour moi, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout coin. Quel que soit côté événement, créole pour moi là. Créole pour moi, chapeau. Félicitations, nous ne pouvons pas bouquer. Félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon. Créole pour moi, SPS, son choix lui. Et moi, c'est créole pour moi, SPS, fait choix baldo. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre. Et qui sont plus tôt. Créole pour moi, ça en souffre. Ciao.